Et nous voici donc dans la carrière avec Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu. Je vous montre le début de saison. Bon, pré-saison parfaite. Mais on a joué contre aucune équipe d'un niveau supérieur. Premier match, on joue contre la réserve de Nice avec notamment Khéphren Thuram et Ilsan Sacco. Ils nous battent 3-2, on est réduit à 9. Pendant ce match, on s'est quand même bien battu. Un peu déçu qu'on ait perdu le premier match de la saison. Après, il se trouve que l'OGC Nice 2 est premier de la Nationale 3. Donc c'est une très grosse équipe et on l'a joué à l'extérieur. Et ensuite, on s'est très bien rattrapé. Puisque on a battu le FC Côte Bleue, qui est une belle équipe du National 3 aussi. Et le FC Rousset à l'extérieur. Donc on s'est bien remis de cette défaite à l'ouverture de ce championnat. Ah, c'est Ajaccio, on est chez nous. Donc on va rester en offensif. Et je vais leur dire de continuer sur la lancée. On est sur une très bonne lancée. Et c'est parti. Allez, Koulibaly, Anziani, Mzé Ali, qui a un rôle plus offensif dans ce match. Malatini. Anziani. Anziani, le ballon pour Malatini, attention! Le premier arrêt de Borrelli. Oh, le bon ballon, attention pour Luemba! Oh, quel but! Oh, le premier but! Le premier but de Racine Luemba. Et ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien ce but. Et il est beau en plus. Il est très très beau ce but de Luemba. Sur une magnifique passe de la star, de l'homme de ce début de saison. Astier. Le ballon est magnifique. Et là derrière, il se pose pas de questions. Frappe du gauche, lucarne rentrante, pardon. Ouh, le penalty. Eh oui, le tacle de Leca sur Colli. Il aurait peut-être pu se prendre un deuxième jaune d'ailleurs. Allez, Astier, et c'est dedans. 2-0. Je crois que j'ai jamais aussi bien commencé une carrière de toute ma vie. Allez, c'est parti pour le deuxième match. On joue contre Corte. Nous sommes les leaders de ce championnat. L'ancien pensionnaire de l'Ice Rome qui déborde. Anziani. Anziani le centre, Anziani et Malatini le premier but. Le premier but de Loïc Malatini. Oh, vous la sentez la saison de fou. Oh, la carrière. La carrière de fou. Est-ce que vous la sentez? Maifou, le centre là-bas sur Astier. Malatini le doublé. Le doublé de Malatini. Loïc Malatini. La musique, s'il vous plaît. La musique. Téléfoot. Téléfoot. Nous, on met des musiques de but pendant le match. Oh, la frappe de Malatini, incroyable. Incroyable. La frappe de 25 mètres. Pleine, Lucas. Incroyable. Oh là là, il y a des bombes agricoles. Seriello. Adadi. Oh là là, les Cortés ne voient pas la couleur du ballon. Si on leur demande quelle est la marque du ballon aujourd'hui, ils ne le savent pas. Et le quatrième but de Loïc Malatini. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est fou, lui. Il est fou, le mec. Mais il est fou. Il met un quadruplé en 20 minutes. Qu'est-ce qui se passe, là? Et mi-temps. 4-0, qu'est-ce que vous voulez que je dise? À mes ouailles. Jordan Astier. Jordan Astier. Je crois qu'il a pas marqué aujourd'hui, Jordan Astier. Je sais plus, on a mis tellement de buts, je me rappelle plus. Jordan Astier. Côté droit, Mzé Ali. Le ballon profondeur pour Luemba. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Mais qu'est-ce qu'il a, Malatini? Il est fou. Je suis même plus content, là. Je suis énervé. C'est trop. Arrête. Mais il est fou. Non, mais c'est quoi ce but de fou? Oh, c'est son cinquième but. C'est mon numéro 10. Et quoi, il va faire une passe D encore? Non, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il fait un début de saison lambda. Lambada même. Et le gars, non, aujourd'hui contre Corte, il en met 5. Tu vas avoir des offres pour Malatini, tu vas le vendre. Bah, j'ai plus envie maintenant. Mais en plus, le pire, c'est que je l'ai mis sur la liste des transferts au début de saison. Il m'a fait la gueule. Il a fait toute une histoire. Oh là là, le but. Denison. Oh, le coaching. Denison, il vient de rentrer. Il vient de rentrer pour le sixième. Oh là là, c'est un match qui va rentrer dans la légende du club, là. Bon, ben voilà, victoire 6-0 à l'extérieur. Celle-là de victoire. Allez, 1-0.
but de Seriello. On se met à l'abri dès le début du match. Non, finalement non. Fausse alerte. Denison. Seriello. Malatini. Auteur d'un quintuplé le match d'avant. Hein. Je vous le rappelle. Au cas où vous aviez oublié. Moi je vous dis, on va aller en Ligue 1 avec cette équipe. Le mec il s'enflamme pas, tu sais. Non mais regardez-moi cette passe. C'est quoi cette action de fou? C'est pour ça que j'ai pris une D5 aussi pour vraiment avoir un challenge corsé. Doublé d'acier. On roule sur tout le monde. Acier, Denison. Et le but, Lomba. 4-0. Je suis piqué par le par FM là. C'est-à-dire que quand t'es à fond dans ta carrière, il n'y a plus rien qui existe autour de toi. Tu vois, moi j'ai plus envie de jouer à autre chose que FM, tu vois. Là, ça y est, je suis dans ma carrière. C'est mon travail. Genre, c'est mon taf, tu vois. C'est pas un jeu, c'est un travail. But. Et je marque tellement but que quand je marque, je m'en fous maintenant. Je mange une tarte. Je sais pas si vous connaissez Expérience Foot. J'espère que oui, parce que c'est un mec au top qui fait du contenu Football Manager original et qui est super drôle. Et tout le temps dans cette live, il dit. Il traite les viewers de mangeurs de tarte. Bah, moi, je suis un mangeur de tarte. Bah, genre, vraiment quoi. Ah, triplé Seriello, d'accord, ok, bon. C'est n'importe quoi. Seriello, mon défenseur central. Triplé. On est très énervé. Nous, on veut monter de la D5 à la D1. En une fois, direct. Allez, le tirage, il a eu lieu. On va jouer contre l'AS Vence. Ah, bah c'est un club de la région, ça aussi. Ah, oh, qu'est-ce qu'il a avec Maïfeu? Ah non, par contre, non, j'en ai besoin. Pourquoi Maïfeu ne joue-t-il pas dans un rôle latéral-latéral? Lui, on va pas s'entendre. Parce que il joue... Je le fais jouer latéral-offensif. J'ai le droit ou pas? Il joue beaucoup. Son rôle est-il si important que ça? Voilà. Écoutez, nous entendons bien. Faites-le pour moi. Oh, putain. Voilà. Je vais lui répondre ça. Voilà. Désolé, je ne peux pas changer mon équipe pour lui en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ça ne mène à rien. Restons... Ah, voilà. Il a fait canard WC. Vous savez le canard WC pour nettoyer les toilettes? C'est lui? C'est ce qu'il est? J'ai un emploi du temps un peu chargé, oui, c'est ça. Oh. Il va falloir en rester là, oui. N'hésitez pas à me contacter s'il y a autre chose dont vous aimeriez discuter. Vas-y, dégage, canard. Là. Il a voulu mettre un coup de pression, à moi. Vas-y, reste tranquille et tombe pas sur nous en coupe. Hein, parce que si tu tombes sur nous en Coupe de France, on va te coller un 8-0, je te le dis. Ça fera moi le malin, là. Non, mais il est fou, lui. C'est n'importe quoi, ça. Ma femme, elle a cru que je m'embrouillais avec un gars du chat. Non, en fait, c'est un entraîneur. Il a voulu mettre un coup de pression. Allez, c'est parti pour ce choc. Ce choc de National 3 entre la SCAD et Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu. Allez, la première action, et ça sera peut-être pour Villefranche. Maïfo, Anziani, Bertomi, Maïfo. Malatini, le but. Frappe de 25 mètres de Malatini. 1-0. C'est n'importe quoi. C'est même plus une forme étincelante là. C'est pire que ça. La frappe est parfaite. La frappe est lumineuse. La frappe est chirurgicale. Je pense que... Parce qu'on est une équipe d'amateurs. Hein. Je pense qu'à Malatini, c'est un chirurgien dans la vraie vie. Allez, on va gagner. Victoire 1-0, 20 tirs à 4 hein, quand même. On a largement dominé le match, mais on ne gagne que par un but d'écart grâce à notre numéro 10, Loïc Malatini. Mi-temps 0-0, attention, hein, parce qu'on est sûr de nous.
On domine le match, on sait qu'attention, les matchs de Coupe de France, c'est vicieux parce que si on n'arrive pas à marquer en deuxième mi-temps, c'est tir au but, direct. Et tir au but, il peut tout se passer. Merci pour le sub. Merci beaucoup, mon petit Momo. Merci beaucoup. Tu me soutiens sur YouTube, tu me soutiens sur Twitch. Merci beaucoup. Merci beaucoup, t'es au top. Oh! Hors-jeu. Hors-jeu. Ouh là 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 là, on a eu chaud. Ah, j'ai eu peur, là vraiment j'y ai cru au but. Colis. Perronnet, Malatini. Touche la barre. Ouh, le coup franc très très bien placé pour Jordan Astier. Là, t'as juste à la cadrer, à la mettre au-dessus du mur. Le but. Oh, qui fait du bien ce but. Oh, qui fait du bien ce but de Jordan Astier. On va passer en positif parce qu'attention, ils ont l'air. Oh, Poucherie, il fait une boulette. Lienard. Allez, le ballon profondeur pour Ngando. Ngando, Astier! Dixième but de la saison pour Jordan Astier. Et quelle accélération là de Christian Ngando. Et ce centre à ras de terre. Pour Jordan Astier. Oh, il nous fait du bien ce but. Attends, on s'est pris un but sur notre seule frappe cadrée quand même. Bien joué. Oh, Ngando pour Jordan Astier qui est tout seul face au gardien. Allez Jordan, tremble pas. Eh oui, Jordan Astier. Finition remarquable. Coup du chapeau pour Jordan Astier. Oh oui. Cyril Lignon sur un centre de Samy Lachab. Les deux entrants. Le coaching. Coach Quinton. Commence bien sa carrière, Coach Quinton. Allez, c'est fini. Victoire 4-1. Victoire 4-1 de Villefranche. Il y a un truc qui va être difficile à gérer, c'est que tous nos joueurs ont un an de contrat. Donc, si on fait une trop grosse saison, j'ai peur que tout le monde se barre. Il va falloir racheter une équipe l'année prochaine.